Est-ce que la police accompagne eux? Oui, la police accompagne eux. Nous avons marqué plusieurs unités de la police, 19, 6 mois, police administrative. Et là, c'est-à-dire là, nous-mêmes, nous présents, nous avons marché là pour nous pouvoir vivre ça, parce que nous avons le droit de poser pour nous mettre sur le sujet. Qui quantité, oui? Est-ce que Bill Moon? D'accord, merci Bill. Donc, qu'est-ce qui est évolution, fin de gonne? Bon, voilà, donc c'était donc Wesley Désir, reporter nous qui sur place. Je tiens à songer que et plusieurs secteurs, plusieurs organisations donc de l'opposition ont lancé en marche et pour dénoncer l'ingérence américaine. Et pas oublier, je dis, donc ça fait 106 ans donc, depuis que les Américains étaient débarqués en Haïti. Donc 28 juillet 1915, 28 juillet 2021, ça fait exactement donc, 106 ans. Et dans l'occasion de ça, donc, ces secteurs de l'opposition, il y a pral et devant l'ambassade américaine pour dénoncer l'ingérence américaine dans la politique en Haïti. Ok, bon. Et Haïti politique, Daniel Foot, le représentant américain donc, en Haïti, en fait, qui était donc de passage en Haïti, a mis fin donc, dans, en spécial. Et à sa première mission en Haïti. Quelle soit donc la conclusion donc, de son rapport? Et puis nous allons regarder donc avenir au Premier ministre, Dr. Ariel
Ariel Henry, est-ce qu'il est capable d'organiser les élections? Qui gagne un point de presse à 3h de l'après-midi dans la résidence officielle primature. N'a alors, gardé... résidence et premier ministre. Résidence officielle là. Qui est dans Musso. Oui. Et qui est pratiquement donc, dans Musso. N'a tout ajouté point qui dit Haïti politique. Comment comprendre le revirement du sénateur Moïse Jean-Charles? Qui ça le fait encore? Qui ça le fait encore? On a gardé pour nous rapidement. Est-ce que docteur Ariel Henry est capable d'arriver à organiser les élections cette année? Est-ce que docteur Ariel Henry est capable de quimber compas ça? C'est pas oublié, il me dit compas. Nous sommes dans un régime bicéphale, je dis à nous pratiquement un régime monocéphale. Donc c'est le monocéphalisme qui l'a. Après, la pratique de jusqu'en attendant. Maintenant, si c'est la volonté de l'international, en fait, des Américains en particulier, pour taguer seulement un premier ministre, pour pas taguer un président provisoire, jusqu'à ce que l'élection soit faite, est-ce que Ariel Henry est capable de Kembe charge ça? Est-ce qu'il est capable, je dis, de prendre responsabilité ça? Mais on peut organiser un conseil des ministres là. C'est pas grave, donc. Je dis justement, docteur Ariel Henry, premier ministre, en fait, doit réaliser premier conseil des ministres. Ça qui passe, Esaïe? Eh bien, il prend à l'organiser conseil du gouvernement. Il n'est pas qu'à organiser conseil des ministres. Alors, madame, monsieur Pablé, il y a le conseil des ministres, il y a le conseil du gouvernement. Maintenant, ça qui fait le pas qu'à réaliser conseil des ministres? Conseil des ministres, c'est l'œuvre du président de la République. Très bien. C'est le président de la République là qui pour convoquer conseil des ministres. Correct. En accord avec secrétariat général. Palais national. Non, secrétariat général des ministres. Des ministres, bien. Qui vient là-dedans, qui est dans la tête, li, M. Luméris. Ok. Qui c'est secrétaire général, conseil des ministres. Eh bien. Jusqu'à présent, pendant la parole, là, conseil, et M. Luméris, toujours en poste. Comprenez bien, madame, monsieur. Malgré le président. Comprenez bien, madame, monsieur. C'est le président qui est capable de convoquer donc, le conseil des ministres. Le conseil des ministres. Ouais, alors okay, le président il est en désaccord parce que proposition hors du jour là il présente comme ça propos de bienvenue du premier ministre mouvement de recueillement à la mémoire de son excellence monsieur Jovenel Moïse et présentation de l'ordre du jour tour de table et présentation des participants présentation de la vision globale du gouvernement pour la période intérimaire. Et 6, instruction au ministre. 7, validation du décret rapportant celui du 25 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale d'intelligence ANI. Président Brakou. Et point 8, présentation synthétique de la situation des finances publiques par le ministre de l'économie et des finances. Et puis, point 9, et mot de clôture du premier ministre. C'est ça qui passe. Décret rapportant, babamène bon, précisément. Point 7 là. Point 7 là. Point 7 là, il dit validation du décret rapportant celui du 25 novembre 2020 portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale d'intelligence à Nîmes. Guy Lassonelva, comment nous y est? Nous là? Oui, où là? Où on a de. Où on est toujours? On a le comment nous y est? Nous sommes là. Exactement. L'article 149, quoi. Est-ce que c'est l'article 149? Ah, en application. Oui, dans la Constitution. L'article 149 de la Constitution, le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a assumé toutes les prérogatives président. Ok, très bien. Et pas président seulement, tout exécutif là, tout exécutif là. Ouais. Donc, ça veut dire que, et point que l'Ibéris fait, il n'est pas de mise alors. Mais c'est le conseil des ministres que lieu. Eh bien d'accord. La Constitution dit. Au siège du Palais national, tu as supposé. Donc au siège du Palais national, il t'a supposé. Effectivement, le président en poste, premier ministre, c'est la première ministre, c'est le conseil de gouvernement que lieu. Ok.
mais c'est pas le cas Gounia. Ça Gounia c'est pas spécifique. Constitution très claire sur ça. C'est conseil des ministres qui dit. Très bien, très bien. Merci Bill. Merci Bill Gustave Delva. Je suis content de vous. Merci Bill. Ouais, moi deux hier. Merci Bill. OK, voilà. Donc, Monsieur Ariel Henry. Premier ministre en ses bureaux. Palais national. Alors, juste une minute, Josué, est-ce que vous comprenez précision de Oui, le Conseil des ministres. Article 149 de la Constitution. Palais national le 28 juillet 2021. Monsieur... Et c'est sous ça, juste une minute, mon frère. Et c'est sous ça, oui, Claude Joseph a joué. Oui. Et sous ça, il a joué. Oui. Ou elle était couru au Conseil des ministres. Okay. Pour être capable, je dis, à prendre charge comme président. Voilà. Non, mais c'est pour ils font conseil des ministres. Alors l'application de la pendant quelques jours. Oui, c'est oui, correct. Claude président pendant quelques jours. Voilà, exactement. Allez-y. Alors monsieur le Premier ministre, le point 7 du projet d'ordre du jour du Conseil des ministres programmé ce mercredi 28 juillet 2021 à 10h est une violation flagrante de l'article 159 de la Constitution. Mais ça mais on a utilisé Constitution ça. Le Premier ministre a le pouvoir réglementaire, mais ne peut jamais suspendre ni interpréter les lois, actes et décrets, ni se dispenser de les exécuter. En conséquence, et pour le respect de la mémoire du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, lâchement assassiné en sa résidence privée le 7 juillet 2021 et dont les autorités peinent encore à arrêter les auteurs intellectuels, je me vois dans l'obligation de m'absenter à la réunion de ce matin. Je vous souhaite donc un très bon conseil de gouvernement. Veuillez recevoir, monsieur le Premier ministre, mes salutations patriotiques. Donc, voilà. Il faut dire que le pape là. Non, mais non seulement le pape là, mais regardez ça le pour regardez ça le dit pour et comme s'il dit, mais à ça, on a droit. Il dit, je vous souhaite donc un très bon conseil de gouvernement. De gouvernement. Et comme il dit, implicitement, il dit implicitement, vous n'avez pas droit. À organiser un conseil des ministres. C'est le conseil de gouvernement qui a. Alors là, Libéry soulevait l'article 159 de la Constitution, mais il y a également l'article 149. Mais là, Libéry se dit, monsieur, ou pas même quand on n'a pas l'air, non? Il dit ça. Alors, regardez. Le conseil des ministres, ça s'organise au palais. Mais Libéry, qui autorité Libéry gagne pour dire qu'il n'est pas quand on n'a pas l'air? Non, c'est le secrétaire général du conseil des ministres. Qui autorité le gagne? C'est le secrétaire général du conseil des ministres. Qui autorité le gagne pour dire qu'il n'est pas quand on n'a pas l'air? Non, mais écoutez, mais c'est une. Faut qu'on décision pour évoquer Libéry. Le palais, c'est une institution. Oui, mais. Est-ce que c'est le secrétaire général du conseil des ministres? Si on pas ouvert, bah, Premier ministre, il va prendre. Et l'application de l'article 50. Mais pas le cas installé, n'a pas le parce que. Par rapport avec Anne. Léon Charles Bloquel. Oui, Goumé, bouclier avec l'autre Brèche PHC, Caradouba et Boué. Et Garibodo tweeté si Annie, Agence nationale d'intelligence, te guette mette sous pied, il va pas assassiner le ministre là, par des provisions. Légal pour tourner sous décret. Ça a pour cette là, il a appuyé au contraire. Il a appuyé, on dit, Libéris. Mais il a décidé de quitter ses prochains présidents qui ont sorti dans l'élection, qui décidaient et pour qui décider. Ok, très bien. Maintenant là, madame, monsieur. Goumé de la République. Ok. Un pays. Dossier Premier ministre, docteur Ariel Henry. C'est un goût son couleuvre qu'on mène à l'école. Mène à l'école, là, c'est une. Fais le chita! Son lot! C'est deux! Chita, on t'a dit chita. Il faut que d'abord, administrativement, ok, Ariel Henry, lui-même, il prend charge. Écoutez, son cabinet qui gagne la donne des ministres, secrétaire d'État, ça c'est Yon. Maintenant, chita cabinet, chita tout en fait, prend charge comme Premier ministre sur le plan administratif, c'en est une autre. Ça, très important. Et tout ça pas fin bien chita, comme si tout violon pas fin bien accordé. Pour qu'on gagne un pouvoir. Parce que pas obligé au pape capable de diriger si violon pas accordé. Est-ce que vous comprenez, madame, monsieur? Là, c'est gardé, nous même pour nous garder. Comment Ariel Henry peut démêler dans ça?
question savoir conseil des ministres voilà que Libérus en fait qui a rappelé que c'est article 150 article soit article de la constitution article 159 là il a amendé mais voilà mais tu faut regarder ça c'est 159 là dit avant OK Libérus rappelé ça et est-ce que l'a capable arriver faire un conseil des ministres ou bien est-ce que l'a seulement capable faire un conseil de gouvernement ça lui est extrêmement important donc madame monsieur OK maintenant les violences ont fini accordées. Le docteur Ariel Henry Finchita. Et ça ne va pas qu'on est. Est-ce que qu'on y a la capable d'arriver à faire les élections donc pour cette année 2021? Moi, je crois que non. Autre où vont les choses là maintenant, madame, monsieur. La très difficile pour docteur Ariel Henry faire élection au courant de cette année 2021. Ici, Martin Debat. L'article 159, 159 mais comme elle t'a dit avant, le premier ministre fait exécuter les lois en cas d'absence d'empêchement temporaire du président de la République ou, sur sa demande, le premier ministre préside le conseil des ministres. Il a le pouvoir réglementaire, mais il ne peut jamais suspendre ni interpréter les lois, actes et décrets, ni se dispenser de les exécuter. Son pouvoir réglementaire s'exerce par arrêté du Premier ministre. L'article 59 se lit désormais comme suit. Il était amendé. Très bien, allez-y. Le Premier ministre fait exécuter les lois en cas d'absence d'empêchement temporaire du président de la République ou sur sa demande, le Premier ministre préside le Conseil des ministres. Il a le pouvoir réglementaire, mais il ne peut jamais suspendre ni interpréter les lois, actes et décrets, ni se dispenser de les exécuter. Donc, désaccord, Libéris. Son pouvoir réglementaire s'exerce par arrêté du Premier ministre. Non, mais pas oublier. Regardez, hors du joueur, ouais. Ça veut dire. Des questions à nier qui sont des décrets que donc des accords que le bus gagne c'est parce que le fait que Ariel Henry pas qu'à faire conseil des ministres non mais pour ça il pas qu'à défaire ton décret d'accord mais là des accords Chida mais pour ça il dit ça tu phrase ça qui wolli là non bagala et tu phrase bon conseil alors c'est parce que il fait référence à l'article 159 madame monsieur donc de la constitution mais que où sont là Josué oui mais tu phrase là oui okay. Je vous souhaite donc un très bon conseil de gouvernement bon oui ça c'est peut-être écoutez c'est des rappels que la fait alors c'est Djibril a dit que c'est dit voulait dire docteur Ariel Henry que en attendant que Antonio sous ça que le pas prendre décret et que il pas provision pour ça OK et que c'est un conseil de gouvernement que le capable faire madame monsieur et c'est là nous même nous dit d'analyser et que son conseil regardé, son conseil des ministres lié lui qui a fait conseil des ministres oui c'est ça le doyer qui a fait mais sauf que Libéré se rappelait que le pas prendre aucun décret qui pour remplacer l'autre décret non parce alors que justement dans menu ça dans ordre du jour madame monsieur gain question à rien décret sur question à rien qui pratiquement donc à l'ordre du jour que va restatuer sur lui et mais Ariel a prévoqué et Libéré docteur Henry a prévoqué monsieur information information pas oublier ça qui là madame monsieur comme tableau les pluridimensionnels. Parce qu'il y a plusieurs dossiers à terre là. Gon dossier assassinat et puis un dossier politique là. OK, les pluridimensionnels. Ou pas qu'à retirer assassinat de politique là. Ou pas qu'à retirer politique là tout donc que de assassinat. Parce que assassin non président ils sont démarches politiques quand même. Parce que c'est bon voisinage, Jovenel Moïse, pas bien avec Soukatia, José Lexidor. Et que voisinage là, comme si
et attaquer le président et puis l'assassiner. Et pas un problème personnel que le gagne dans le voisinage. Donc son président qui était là, engagé dans des réformes, et que le terrain pas quatre mon en face lui. Et que je tiens, au matin, des mercenaires débarquent dans le pays, ils ont assassiné. Qu'on y a enquête là obligé à garder tout le monde qui t'a goumé en face du président Jovenel Moïse à tout. Nous pas disons non, même nous obligé à garder tout. Ça dit que ou pas qu'à retirer assassinat donc de politique là, tout comme pas qu'à retirer politique là, madame, monsieur, donc de assassinat. On garde pour nous là. Information. Faut toutes messieurs, dames, qui te fait partie de pouvoir Jovenel Moïse, on va dire PHTK, non? Faut toutes messieurs, dames, et ça, je suis le tidor, qui te fait partie de gouvernement, ou bien d'entourage, ou de pouvoir, ou de famille Jovenel Moïse là, faut aller doucement. Faut aller doucement. Parce que plus qu'un jour qui a passé, et plus jour que Ariel Henry fait comme premier ministre, c'est moins chance qu'il y ait puis il a toujours été au pouvoir. Que ce soit comme ministre, que ce soit comme secrétaire dans le palais national, que ce soit comme directeur général. Parce que madame, monsieur, sur le plan politique, il y a une pile pression qu'a fait là pour retirer tout ça qui a rapport avec Jovenel Moïse. Déraciner tout ça Jovenel Moïse, t'es gagné, madame, monsieur, comme. comme pion ou bien te gagné comme pouvoir la partie bon pays. Et pas ça raison non quoi aujourd'hui parce que et ça gide nèg ki nan assassinat ou un commissaire gouvernement Bedford parler à CNN greffier par la CNN gide nèg la ki nan assassinat ka bonne ka ba pression. Ah oui, gen pile pression. Mais c'est même tout gide nèg assassinat aujourd'hui à tout. Cap Goumé pour Rockefeller par être comme ministre de justice. Ministre de justice, ya. Comprenez bien, madame, monsieur. Et qui dit Rockefeller, Vincent? Qui dit Jovenel Moïse? Et Grenetter Rockefeller, Vincent, t'as doué gain là aujourd'hui comme ministre de justice. C'est assurer que l'enquête l'aboutit. Aboutit, ouais. Pour la justice, à président par là. Parce que c'est Jovenel Moïse qui t'a mis comme ministre. Comprenez bien. Et secteur qui t'a eu même dans l'assassinat. A gouman pile là pour Rockefeller Vincent pas arrêter comme ministre de justice. Même j'ai tout le secteur là qui a gouman. Pour Ignace Seflet pas arrêter comme directeur général BMBA. Parce que madame, monsieur, l'on dit BMBA qui sorti ou tu dis gaz, oui. Hein, oublié? Ou pas trouver ça? Ou pas trouver ça? Ou pas comme 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 ça? BMBA veut dire gaz du riz. BMBA veut dire gaz du riz. Et ces deux produits qui liés. Parce que madame, monsieur, la question de la vie chère, depuis que gaz a monté, ça passe, moi j'ai pas vu une bichette. Eh bien, gros secteur là qui a goumé là, pour Ignace Saint-Fleur, pas arrêté comme directeur général de BMBA. Ah, mais j'ai rempli le dossier dans la main. Ah, mais j'ai rempli le dossier dans la main. Parce que BMBA, l'autre dit BMBA, c'est gaz avec du riz. Et puis, même secteur ça a goumé tout pour Rockefeller pas arrêté comme ministre en fait de la justice. Parce que dans le dossier assassinat, Rockefeller, je dis a pas d'intérêt pas collaborer pour enquête là capable aboutir pour monde qui connaît finalement qui est-ce qui touye président Jovenel Moïse. C'est même je dis à tout politiquement. Il est libéré ce qu'il a dans le palais national. Où le comprend ça passe sous lui. Alors, je comprends une petite phrase là Kounia, c'est parce que le pape là. Parce que le pape là. Depuis le pape là, il n'est pas qu'à conseil des ministres, c'est conseil de gouvernement. Voilà. C'est parce que le pape là. Parce que le pape là. Parce que dit le pape là. Et parce que le pape là, quoi. Il dit le bon conseil du gouvernement. Quoi, comprenez-moi, madame, monsieur. Donc, Ariel Henry, je dis à la fois que Chita, administrativement, est-ce que qu'on y a la privée Chita? Est-ce que la arrivée à corps de violon? Ok? Ça, c'est sur le plan administratif. Maintenant, sur le plan politique, est-ce que la capable. Kembe garantit que le bail blanc l'a arrêté seulement comme premier ministre pour l'organiser les élections. Est-ce que l'a capable de faire pression? Groupe qui est en face de la politiquement qui c'est l'autre secteur dans l'opposition qui souhaitait que le président provisoire déjà qui gagne des propositions sur la table, madame, monsieur. Est-ce que l'a capable d'arriver là? Maintenant, est-ce que l'a fait l'élection cette année 2021? Moi-même, le go désir.
Et nous-mêmes, sous tape matin de bas, c'est notre conviction. Très difficile pour Dr. Ariel Henry faire élection pour pendant l'année 2021. Non, mais là encore, bon, techniquement, nous, actuellement, nous avons un exécutif et monocéphale. Très bien. Or, l'exécutif est bicéphale. Bicéphale, oui. Pour gagner élection, qui est-ce qu'a convoqué par le président? C'est le président. Le président. Le président. Le premier ministre, pas le premier ministre, qui a mis ça. Nous, pas qu'on a élection là. D'abord, il faut nous résoudre. Faut nous résoudre ce problème ça. D'abord. Très bonne remarque. Ah oui. Pour convoquer le peuple en ses comices, il revient donc au président de la République. De la République de le faire, ouais. Madame, monsieur. Ici, nous n'avons pas encore un président. Avant, si la constitution, on va dire le contraire. Le premier ministre Ariel Henry n'est pas capable de réaliser l'élection. Une très bonne remarque. Une très bonne remarque, madame, monsieur. Maintenant, Daniel Foot, sale foot. Réglé. Ça fout réglé. Nous avons Guilherme Sandelvado qui m'a content pile. Soit c'est ministre. Oui, soit c'est ministre. Il a les pratiques. Guy, on a le Guy. Je vous dis que, au président, tout ça, le président qui a fait que le pas là, c'est le premier ministre avec. C'est pas le premier ministre, c'est le conseil des ministres. Pour le Sahel. Oh, très bien. C'est ça, Liri, c'est sa constitution dit. Ok. Article 149, c'est sous la présidence du premier ministre, le conseil des ministres assume le pouvoir exécutif. Ok. Pendant que le président n'est pas là. Très bien. Toute sa présidence de conseil, c'est. Conseil des ministres Kafel. Conseil des ministres Kafel. Kafel, Kafel, Kafel. Le conseil des ministres Karivo qui est directeur général. Conseil des ministres Karivo qui est directeur général. Toute sa présidence de Kafel, c'est. Conseil des ministres. Conseil des ministres Kounia Kafel. Très bien. Ok, maintenant, on allait au cas. Où en fait l'actuel secrétaire général en fait du conseil des ministres il a refusé de collaborer. Est-ce que Ariel Henry est capable de remplacer le nom? Mais certainement. Ah bon? Comment dis-moi là? Eh ben, libérez vos kéri. Eh ben, libérez vos kéri. Libérez. C'est son conseil président. Oui. Depuis que je n'ai pas là, conseil va. Tombé, tout conseil tombé. Il est tombé. Ok. C'est le président qui est venu avec le conseil PAL. Très bien. Gobon? Très bien. Donc, conseil des ministres, c'est lui qui a gouverné Kounyala. Très bien. Avec le premier ministre comme président, conseil là. Très bien. Merci à Bill Bouet. C'est le président qui a présidé, mais premier ministre, président pas là, c'est le premier ministre qui présidait le conseil des ministres. Très bien. Qui a pris toute décision que le président de Gébouvre. Donc, les ministres, vous allez doucement là. Merci à Bill. Il faut mettre un lien article 59 là pour la population. On allez, madame, monsieur. Alors, c'est ça, Mabdi Noé, c'est ça, Mabdi Noé qui est très important. Alors, c'est ça, Mabdi Noé. Faut messieurs, dames, Jovenel Moïse. Allez, doucement. Allez, doucement, 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 doucement. Alors, Mgoti, discussion de ta avec ça. C'est soit article ça peut peut-être ça de parler. Oui, oui, oui. Alors, en cas de vacances de la présidence de la République, soit par démission, destitution, décès ou en cas d'incapacité physique ou mentale. C'est quel article? 149. 149, très bien. Ou mentale permanente dûment constatée, le Conseil des ministres sous la présidence du Premier ministre exerce le pouvoir exécutif jusqu'à l'élection d'un autre président. Dans ce cas, le scrutin pour l'élection du nouveau président de la République pour le temps qui reste à courir a lieu 60 jours au moins et 120 jours au plus après l'ouverture de la vacance, conformément à la Constitution et à la loi électorale. Dans le cas où la vacance se produit à partir de la quatrième année du mandat présidentiel, l'Assemblée nationale se réunit d'office dans les 60 jours qui suivent la vacance pour élire un nouveau président provisoire de la République pour le temps qui reste à courir. La question, sommes-nous à la quatrième ou cinquième année du mandat présidentiel? Nous sommes pratiquement à la cinquième année. Parce que le mandat prend la fin, donc le 7 février 2022. Donc ça l'est dit. Donc ça dit que deuxième partie dans l'article 59 là, nous pas qu'à appliquer. Parce qu'il n'y a pas d'assemblée nationale. Parce qu'il n'y a pas d'assemblée nationale, madame, monsieur. C'est là! Ou quand même que. Pas bien, madame, monsieur. Tout ça, où est blanc fait?
Il fait la continuance plus ou moins légal, oui. Mm-hmm. Non. Un petit coup, légal, oui. S'il va qu'à légal, il faut que ça là. Faut que ça là, oui, madame, ouais, monsieur. Ouais. Ok. Elle dit que, selon l'article 149 de la Constitution, hein, affaire président provisoire, nous ne pas parler de lui, non, là, madame, monsieur. Sauf si on compte sur ce qu'il fait. Parce que, dans la cinquième année, mandat président. Il ne peut pas appliquer pour les partis à tout parce que. Nous, voilà. Nous mêlons, oui. Article 59 là dit exactement ça qui est arrivé si le président est là. Comment on est capable de venir président provisoire? Comment on est capable de mettre un président provisoire? Il ouais. faut qu'il passe donc par l'Assemblée nationale. Oh, pas l'Assemblée nationale, pas le Parlement. Et alors, concernant ça, Guy, Libéris, c'est pas conseiller le président, c'est secrétaire général du conseil des ministres. Oui. Les différents. Non, mais c'est le président, non, mais il n'y a pas constitution qui bat le job là. Il n'y a pas une élection là, mon frère. Non, mais c'est pas un conseiller. Non, mais c'est le conseiller qui est Wally. C'est le président normal. Oui. Très bien. Il n'y a pas d'élection de Talé. Il n'y a pas d'élection. Non, ça me donne pas la constitution qui dit, mais qui est-ce qui a une secrétaire général ou bien, mais comment on a une secrétaire général. Alors, sauf que. C'est à la discrétion du président. Lui ou qu'a fait job là, il choisit un tel pour une secrétaire générale maintenant. Oui. Si lui mérite ça pas un problème. Ah il a pas de quoi fini. Non mais Kounia, et sur ce qui base. Comment sur qui base? Bah, pour faire faut qu'on bagaille pour. Non mais sur qui base la faire là. Ça pas qu'a faire tout. Est-ce que il est pas président? Sur qui base que pas qu'a faire tout. Parce que attendez, article 59 là. Vous prenez pas gaffe. Vous prenez pas gaffe. Il y a deux mots qui clair dans l'article 59 là. Il dit que le conseil des ministres exerce le pouvoir exécutif. Non mais ça c'est Ligonka. Ligonka. Poko non, Poko. Il dit que c'est le conseil des ministres qui exerce le pouvoir dans ce cas exécutif. Ça veut dire ça. Et qui l'arsenal va donc que raison. Tout ça président qu'a fait, le conseil. Conseil des ministres capable faire toute plein pouvoir, plein pouvoir qu'a fait, c'est qu'a prend. Eh bien, conseil des ministres, donc lui qui prend décision, c'est pas le premier ministre. Ok, c'est l'ensemble des ministres, donc c'est le conseil des ministres, c'est pas le premier ministre. Il faut savoir une question sur lui. Ah oui, le conseil. À ne pas confondre. Le premier ministre et le conseil des ministres. Parce que écoutez, premier ministre, c'est le cas, madame, monsieur. Et ça fait que. Aïe, aïe, aïe. Ici, matin débat. Pour éviter tout ça. Parce que là, on a gardé constitution, on a gardé article 149 également 159. Pour éviter tout ça. Vous comptez ça, qui a évité ça? Isaïe César, José Lexido. Replâtrer le gouvernement. Refaire le gouvernement. Et bien, nommer un président. Non. Refaire le gouvernement avec Dr. Ariel Henry comme premier ministre seulement. Eh ben, ça mais son là. Gouvernement, mais son gouvernement vraiment pluriel. Pluriel, ok. Non, voilà. Vous comprenez ça? Madame, monsieur, suivez mon regard. À la recherche de consensus. Non, c'est non. Un gouvernement pluriel. Faut vraiment un gouvernement. Selon pluriel. Alfredo, selon le député Alfredo, secrétaire général du Conseil des ministres, c'est un fonctionnaire de la présidence. Que président qui a évoqué? De la présidence. Oui, que conseil des ministres qui a évoqué? Quoi, conseil des ministres qui a évoqué? Comprenez, madame, monsieur. Donc, si un gouvernement pluriel, vraiment pluriel, et que c'est la situation que nous avons donné, c'est le conseil des ministres qui prend toute décision, le président qui prend, selon l'article 59. Alors, même maintenant, Ariel Henry comme premier ministre, pas capable de venir avec aucune bagaille sous table pour l'imposer, le conseil des ministres. Oula? Parce qu'il a tout fait débat. Maintenant, il faut qu'il y ait d'autres voix divergentes. Sur la table, même si Ariel Henry t'a voulu imposer son bagage pour voir ça eux-mêmes avant pour le passer au Conseil des ministres et que ce débat qui vous fait sourire, madame, monsieur, n'a intérêt à venir. Bah, si vous comprenez. Oui, maintenant, si son gouvernement et que c'est Ariel Henry qui nomme tout ministre là, donne, et que c'est blanc avec Ariel Henry qui nomme tout ministre, eh bien, tout ça, Ariel Henry décide de comprendre ministre la passer. Alors, parce que selon l'article, suivant l'article 149 de la Constitution, c'est le conseil des ministres qui prend décision que yon président qui prend, vu que pas un président qu'on y a là, et que le conseil des ministres lui exerce tout ça pour lui exerce pouvoir exécutif là, et bien Ariel Henry, je dis là, il prend toute décision. Son article qui a trois paragraphes. Nous pas de l'appliquer, nous devons prendre tout, considérer tous les trois. Donc le troisième paragraphe là, il dit dans le cas où, et peut-être ça me dépose une question, dans qui année nous y est.
Dans le cas où la vacance se produit à partir de la quatrième année du mandat présidentiel, l'Assemblée nationale, etc. Ou bien, et puis, gain cinquième année, gain quatrième année. Nous dans cinquième année là. Nous dans cinquième année. Cinquième année, clair. Ouais. Ça veut dire, ouais. Ça en bas, il va nous pas appliquer. Nous pas appliquer. Enfin, par le président provisoire, dans un moment là, madame, monsieur, par exemple, sa pièce là. Nous pas appliquer. Selon l'article 59 de la Constitution, troisième paragraphe, c'est ça? Oui, troisième paragraphe, nous pas appliquer. Afin que son président provisoire, qu'on y a là, par exemple, sa pièce, nous pas appliquer. Sauf, nous dit sauf, si on consensus parmi les acteurs politiques. Mais si c'est sous question légale, sous question constitution, suivant. Selon l'article 59, troisième paragraphe, il est clair. Il dit que Jean, je dis, dans la situation que nous sommes là, nous sommes capables de gagner un président provisoire. Ok? Alors, pour nous capables de gagner un président provisoire dans la situation que nous sommes là, clair, faut que c'est l'Assemblée nationale qui a décidé. Comme pas l'Assemblée nationale, donc pas le Parlement, donc pas aucun Jean pour nous gagner un président provisoire là, dans le moment où on a parlé là. Sauf! Oui. Si t'as rien, donc il y a un consensus entre les acteurs politiques haïtiens, madame. Et alors, Jean-Mien qui dit première qui a appliqué, première qui a appliqué. Mais ça me dit première qui a appliqué. C'est première qui a appliqué là. Le conseil des ministres. Le conseil des ministres. Ouais. Et ça fait que je dis, il était important. Pour ce pas Ariel Henry, comme c'est le représentant du blanc, seulement qui a pris décision, il faut qu'on gros plâtrage qui t'a fait dans le gouvernement ça, pour le temps vraiment, le gouvernement. Pluriel. Parce que ça qu'il y a, et non seulement, et non pluriel, oui. Là seulement. Pluriel. Quand est-ce que par parti, qui est-ce que et pas qu'on est, tout parti, pour tout le monde a représenté dans le gouvernement ça. Et c'est là ça, Ariel Henry, pas capable, seul corps chanté avec l'international là, dans la décision qui va prendre là avant les élections pour remettre le pays à pratiquement madame Monsieur sur Raïli. Maintenant, en 2021, nous sommes en juillet, il n'est pas évident que Dr. Ariel Henry et ce gouvernement sont capables d'organiser les élections, madame Monsieur. Là, nous clair, nous pas obligé d'entendre nous. Sous qui date élection qu'a fait pour l'année prochaine? Est-ce que c'est avant le 7 février? En janvier? Maintenant, est-ce que nous allons entendre nous tout que le président l'a préinvesti sur le 7 février? Ou bien est-ce que mais... l'a préinvesti sur le 14 mai donc 2022? Alors, nous te dit là, ouais, je dis à la, dans mon moment, ça n'est pas une constitution en pile. Viens constitution sur chaque pas de monde, n'est pas une pile. Viens bagarre. Parce que, y'a même un compte à changer. Viens bagarre là, ouais, l'important pour nous, il est bon. Il conseille des belles phrases là, donne. Belle bagarre. Bon bagarre. Et il va changer. Ok, maintenant, on arrive. C'est le premier aspect dans la question. Deuxième aspect. Haïti, est-ce que docteur Ariel Henry capable de considérer les projets qui en cours sous la présidence qui te commencé sous la présidence de monsieur Jovenel Moïse? Moi je crois que oui, parce qu'on a dit tout ça en de Jovenel Moïse, il y a des projets qui un peu farfelus, il y a des projets vraiment dans le cadre de Caravanan, il y a là d'ailleurs c'est l'argent perdu. Mais que des projets vraiment que tu as mérité que nous continuions. D'abord sur le plan agricole. Moi-même, Louko Désir, dans la Tibonite, dans Gonaïve, là, quand même, moi, assisté à plein de Gonaïve, son plein qui était très sèche. Je dis qui gagne presque tout pompier qui réparé dans plein de Gonaïve. Et je dis à quel que soit planteur dans plein de Gonaïve, là, poser la question. L'Abdou, ah. Il n'y a pas d'espoir qu'on joue un président capable de réhabiliter pour ça. Donc, sur le plan agricole, moi, je pense que les projets qui étaient déjà initiés, commencés par le président Jovenel Moïse, il faut continuer, madame, monsieur, pour payer. Par exemple, il y en a un exemple. Yo. Et projet que le gagné sous frontière Saint-Domingue-là. Comment canal ça encore? Canal qui est en Haïti. Massacre. Non, il y a massacre. Projet ça donc que sous rivière massacre là, faut ça continuer. Nous connaissons Dominique qui est en pile pression. Donc sur le plan agricole, faut projet ça pas t'accamper, madame monsieur. Sur le plan infrastructurel, la question route qui commençait déjà, donc route port de paix. Route plusieurs côtés dans le pays qui était commencé avec le président Jovenel Moïse. Faut projet ça t'a continué, madame monsieur. Parce que faut nous qu'à commencer à retirer les têtes nous dans ça. Chaque long président vini, il commence avec un programme. Et puis le président vini, il campe
automatiquement donc sous sa présidence ça a commencé à faire. On bouge ça pour une question de crédit. Puis on va avec crédit, oh ouais. C'est un tel qui est tel président qui te fait. Mais quoi de problème là? Et nous avons perdu dans les consens. Qui c'est un tel qui te fait, mais tel te fait. Quoi de problème? C'est le pays qui a bénéficié. Est-ce que vous imaginez combien de projets déjà pays a perdu là? Qui étaient des bons projets? Qui étaient commencés sous Aristide? À cause des gros. Qui étaient commencés sous René Gassabéval? Et puis à cause des gros, et puis nous dit, écoutez, là on ne peut pas continuer à projet, non. Il y a des projets vraiment intéressants. Projet 24 sur 24 la courant. Ah oui, bon. Un projet intéressant, madame, monsieur. Si tu as un petit problème là-dedans, on a implémenté. On a un problème. Mais c'est un pays qui a un courant 24 sur 24, monsieur. Qui problème? Qui monde qui pas dans un pays? Pourquoi est-ce que ça est capable de déranger? Qui monde qui pas dans un pays? Vive dans pays, madame, monsieur, quand tu as un courant 24 sur 24. Dis-moi, yes. Dis-moi, qui monde qui pas dans un pays? Vive dans pays? Qui est courant 24 sur 24? Dis-moi qui est-ce? Maintenant, côté qui est projet ça, madame, monsieur? Centrale électrique, donc Kafou. Écoutez, projet ça, il faut continuer pratiquement dans le pays. Et comment est très important dans la question courant? Il y a côté, le président Jovenel Moïse mettait des génératrices ou du moins des centrales. Mais entretien, il faut tenir compte de lui. Il n'y a pas parce que le président parle là, il n'y a pas parce que le président a assassiné. Et puis, il y a pour côté, il a commencé le projet. Et puis, Pour nous, on y croise Bran. Parce que qu'est-ce qui a perdu? C'est l'État ici qui a perdu. C'est nous comme citoyens qui a perdu, madame, monsieur. Maintenant, la question du référendum et de la nouvelle constitution. Faut une fois pour toutes, nous venons adosser ça sous table là. Parce que tout le pays a reconnaître unanimement, presque à 97%, que nous avons besoin de nouvelle constitution. Mais le problème, c'est ton problème de Jovenel Moïse. Et que nous dit que nous ne pouvons pas faire la Jovenel Moïse, nous ne pouvons pas quitter ce Jovenel Moïse qui pour faire, bon, pas de problème. Mais voilà que nous avons Jovenel Moïse assassiné. Maintenant, il faut que le dossier ça haut. La question du référendum, la question de la nouvelle constitution, il faut que nous retournions sous table, madame, monsieur. Aïe, aïe, aïe. Ah oui. Pour nous statuer sous lit une fois pour toutes. Et ceci sans coquer, sans démagogie, pour nous dire exactement, mes amis, ça nous plaît. L'obé sous l'obé, mon cher. Ça, Gango. Ça quoi? Le directeur général de la police nationale prend les rênes du pouvoir au palais national. Information. Qui ça? Information. Ça c'est me l'a eu. Le directeur général de la police nationale Léon Charlouis prend la commande du palais national. Ça veut dire là. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire ça le bras veut dire. Comment vous dites au ballon conseil ou bien qui ça? Le directeur général de la police nationale prend les commandes Léon Charlouis du palais national. Quoi de glace on fait là, oui? On finit. Ça va, ça y est. Qu'est-ce que ça y est là? Mettez dans la tête par le national en question de sécurité. Comment le fait nommer Ligue doit ça? Oui, et ses prérogatives parle. C'est Ligue. Oui. On a quoi avec le président de la République? Ah, où est le président? Attention. Eh bien, attendez là. Monsieur, est-ce que le secrétaire général a le pouvoir de nomination? Attends. Le secrétaire. La présidence, c'est une institution politique. Hautement politique. Maintenant, qui est président qui là, qui est président qui parle là, l'institution demeure. Demeure. Et l'institution a un administrateur. Et un mode de fonctionnement. Les décisions administratives qui ont rapport à fonctionnement palais interne institutionnelle de la présidence, qui fait en accord avec le secrétaire général du palais national. Eh bien, monsieur Léon Charles, le directeur général de la police nationale, mais c'est lui qui est aux commandes. Il nomme le coordonnateur général du palais national, monsieur. Lui qui nomme. Oui. Yes. Vladimir Barizon. Vladimir Barizon, c'est même qui coordonne palais national. C'est le président. Ah, okay, okay. ISP. Oui. Comme M. Civil. Aguerre. La nature a ouvert du vide. Ok, ok. Mais c'est Léon Charles Godia qui nomme yo. Donc, nomme Alex Alexandre. Alex Alexandre. Ouais. Responsable ISP. Responsable ISP. Et M. Marcel. Ok, M. Marcel. Responsable ISPN. ISPN.
Non mais... Non, ça c'est cher. Ah, non, non, mais non, il a la commande. Non, non, t'as pris le coup d'état. Ah, ouais, c'est son coup d'état. Ah, ouais, ouais. Moi, c'est Léon Charles, c'est le président. Ok, coup d'état. Ok, comment c'est... L'on y commande ou institution. C'est ça, il vaut cher. Par contre, ça vous lague, bagay là. Ça fait ça. Comment? Tout le monde connaît Léon Charles qui est président de pays là. Oh, elle est sortie là. Qu'est-ce que je fais là? Et pas Léon Charles avec Ariel. Il va se comment c'est coup d'état, c'est coup d'état. Ah coup d'état, nous pas coup d'état. Attendez, mais il va coup d'état. Mon cher. Le monde qui a mangé, à tomber dans mes là. C'est ça, mon cher. Nous go, pas un coup de Léon. Un coup de Léon. OK. Donc Léon a fait un coup. Ah, mais attendez, Louko. Si le secrétaire général parlait national là. Nommé moun. Non, c'est le ministre. Et le directeur général de la police nationale. Ouais. Mais et moun parle là. Non, il va contrôler la situation. Eh mais à quoi c'est? Qui a le contrôle de la présidence actuellement? Et pas Léon Charles? Non. Oh, ok, mais dis-moi, expliquez-moi. Non. Eh bien, est-ce qu'il était toujours gain? Le secrétaire général du palais, c'est lui l'administrateur, c'est le deuxième le personnage du palais. Du palais, en absence du président. Après le président. Oui. Même pour le ministre, comme président, comme président par là, mais c'est lui-même. Non, l'autre. Et comme président par là, c'est lui-même qu'on a qui seul chef. Oui. Et c'est lui qui a pris toute décision nette. Mais administrative. Non, administrativement, en fait. Eh bien, je voulais dire, qu'est-ce que c'est pour interne. C'est pour interne. Qui est-ce pour décision? Sécurité par l'air, par manger, par gaz, par machin. Eh bien, c'est monsieur Léon Charles. Sécurité, par ça, on. Monsieur Léon Charles. Léon Charles a pris le coup de la situation. Oui. Ok. C'est fini. On allait, bon. Ça, c'est le deuxième aspect, mais troisième aspect qu'on y a là. Attendez, bah nous raide. Nous raide. Non, mais attendez, bah nous raide. Petit bail là. Non, mais attendez, nous regardons pile. Bon, sur l'autre bas encore. Ah, attention, hein. Sans que. Bah, une couille là, non? Qui a empêché l'investiture du président Joseph Lambert? Qui est-ce qui veut lui? Le blanc. Le blanc? Ouais. Chita qui est blanc? Chita qui est blanc? Ça coûte pas l'autre là. Chaque jour, Chita qui est blanc? Ça coûte pas l'autre là. Le directeur général de la police nationale, mon cher. Et lui, empêché? Qui ça? Sous les bases. Oh. Eh ben chef là. Qu'est-ce qui est contre le palais là? Bon ok, qu'est-ce qui est contre le palais là? La police, les gardes présidentiels. Qui est-ce qui est contre le palais national? Qui est-ce qui est contre le palais national actuellement là? Le secrétaire général là. Eh ouais, ouais. Léon Charles. Comment ça? Monsieur Léon Charles. C'est lui, c'est lui le chef de la présidence. Non. Ah bon, 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 bon. Eh ben, qui est ce chef président? Bon, dis-moi qui est ce chef président. Bon, dis-moi qui est ce chef président, ce qu'on a. Bon, on a rien fait sauf les valeurs nationales là. Non. La sécuriser. Ah. Espace là. Bon, qui est ce chef national? Institution. Hein? Mm. Eh ben, le chef là. Monsieur Valbrune était prêt à toute disposition pour Monsieur Lambert à l'installer. Eh? Pas les causes. Non, non, mon petit monde nous égale. Sazim la zayi. Etazi nou te yi. Mwen men lamde ya te yi. Sazim la zayi. Mese Valbo. Mwen men lamde blan. Lamde blan. Lati le ou chal gesou di. Mwen blan. 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 Tande. 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 Mese. Mwen blan. Pendan. Mese di blan ou di. Akuse blan. Patati patata. O lande me de. De l'assassinat du président, Claude Joseph prend les commandes, fait appel à CIP, fait appel à droite, à gauche, etc. Contacté Kok Group, Chita Palé, tout le bagaille, il dit bon, ou qui fait vert, tout le bagaille dans le monde. D'ailleurs, il te dit, tout le monde, il dit, à l'élection, communiqué l'ambassade américaine, ou te voyons, il est derrière Claude Joseph, comme premier ministre, ou comme derrière. Chef du gouvernement. Chef du gouvernement. Pour Kembe en attendant. Et pour Kembe en attendant. Oui. À tel point, il y a un moment. L'oral sous Google, écrit Claude Joseph. Mais le président. Le président provisoire. Par contre, comment ça se fait, mais. Ou demain, le président provisoire. Et puis. Une fois que journal colombien fin cité non. Claude Joseph a tort ou a raison dans le dossier, bien que après rectification etc. De la part du chef de la police colombienne. Et
nous te ouais sorti Joseph Lambert par rapport avec réunion qui t'a gagné entre lui-même Claude Joseph, Ariel Henry, Monsieur Leblanc. Nous te ouais sorti. C'est des réunions séparées. Qui est des réunions séparées. OK. T'es gon soutien qui t'a porté par Claude Joseph. Subitement ouais les Américains quand groupe monsieur John Biden Joe Biden Joe Biden quand groupe les Américains tout en tête ils ont demandé Ariel Henry pour monter gouvernement et il dit on pas reconnaître aucune autorité haïtienne on pas reconnaître OK ils ont demandé Ariel Henry pour monter gouvernement il monter gouvernement il prend investir mais ça qui passé là monsieur qui ça qui passé qui de monsieur qui est-ce qui nommé Ariel Henry qui de mort qui était nommé qui est-ce qui va le pouvoir. Est-ce qu'on est pas tourné avec question blanc de dire oui. Expliquez-moi. Madame, monsieur, pour l'histoire et la vérité, où est-ce qu'on a parlé là? Son bataille, non bataille. Même Jean, nous ne pouvons pas imaginer trois coups de temps de là. Oui. Trois coups d'état. Mais oui. Coup d'état. Coup d'état d'Abésil. Coup d'état Mécène. Coup d'état Managog. Comment ça a dit? Tentative coup d'état? Tentative coup d'état? Non, oui, comment ça? Mécène, pas oublier, madame, monsieur. Coup de cassation. Tout le monde a besoin, président. Premier coup d'état qui est si bon, c'est Maître René Sylvestre. Bon, ça lui même bon. Oui, tout le monde s'en va. Tout le monde s'en va d'où c'est manger ou manger René Sylvestre. Mais tu laisses. Ah, c'est le cas, président. Même Michel, j'ai dit. Oui, bon, je sais. Oui, tout le monde. C'est mon collègue, je sais. Tout le monde s'est marqué. Mais ça, c'est mon collègue, mon idiot là, même. Ah, ben. Mais j'aime connaître nos gigasons, non. Vous comprenez. Bon, pas ma casse, c'est comme ça, non. Tout le monde s'est marqué, nous, que c'est moi, je vais mettre médecin parce que. Mettez René Sylvestre, c'est le président provisoire. Nous t'expliquons ici, hein. Ça garde, ça t'est passé, hein. Comment mettre Judas Brésil te fait dans Tibois? Je marie le concrabe. Et puis, dans un moment, mettre Mécène, André Michel a fait le compte 1, 2, 3, 4, en allée. Ok? De son coup d'état, de coup d'état, pour n'y a, dans le dossier du président Jovenel Moïse là. Vous pouvez le tenir comme ça? Sanon? Où est la docteur Sanon? Moi, je te pose une question dans matin débat. Faut en regarder, qui va parler de avec Mme Coq? Ça te dit tout entre eux, si tu as un rapport. Mais, des EPJ, FBI. Pas mal. Des madame Coq, si tu pas de rien. Tu n'as pas de rien. Donc, son coup d'état dans coup d'état. Donc, elle dit que les présidents Jovenel Moïse, nouvelle la confirmé, mais ce n'est débarqué la Cali, il a assassiné. Eh bien, secteur qui dit Claude Joseph en avance. Et secteur Garibaldo, Laurent Lamotte, le dit Claude Joseph en avance. C'est au président. Quoi pas président rapide. Et pour quelques temps là, ils font intervention. Et puis il dit tout bas sous contrôle. Mais moi ça crase Claude Joseph, c'est communication. Il fait deux erreurs en communication. Même Jean-Président Jovenel Moïse, madame, monsieur. T'es font erreur en communication. Qui pral fait que madame ni Martine Moïse jodi a. Ah oui. Pral pour répondre question la question. Mais Doval là. Mais Doval. Mais Monferrier Doval. En erreur de communication. Et yo dit Martine Bato pardonne président. Que président Jovenel Moïse te fait. Vin fait que jodi a Martine Moïse pral pour répondre question. Tôt ou tard. Bah vidéo. Tôt ou tard. OK, devant la justice sous question ça. Et même Jean Claude Joseph fait deux erreurs en communication qui fait pas président provisoire. Première en communication, c'est le dit mal travail texte là. Et puis le dit que tout bas sous contrôle. On président va mourir tout bas sous contrôle. Et puis même moment, et vous tête fret. Comment mieux, madame, monsieur? Il vient pas être anti-gens suspect. Là, c'est première erreur en communication. Deuxième erreur en communication qu'il fait, c'est le il dit bon, baba nous menti. Et moi, après, madame, nous avons des relations privilégiées, étroites. Le président compte même pas là, moi même débarqué la caille là. Ouais, ça. Vous pas besoin dans tout le détail, ça, oh, madame, monsieur. Top détail. Et vous déjà, comme Martine Moïse qui prend une balle pendant que Marie prend 12 balles.
nous avons cité au dou ou ta gen bagay pour ouais dans assassinat. Comprenez bien? Nous matin avons cité tout, moun di yo pas tellement comprendre comment pour madame nan font grain mal libre pendant président prend 12 balles. Et puis qu'on a vous dit dans la presse. Président pas même déconner parce que ou gen des bons rapports madame nan gen de l'on la caille là président pour qu'on pas même là. Bon d'avoir dit ça? Trop détail. Madame monsieur, trop détail. Trop détail. Qu'est-ce qui passé? Qu'on y a Lè Claude Joseph prend position. Sénateur Lambert pas là. Lè sénateur Lambert tente de Claude Joseph qui prend position pour le président provisoire. Sénateur Lambert t'es en République Dominicaine. Courir vite. Attendez non madame monsieur. C'est le même avion même. Ici, matin débat. Équipe sénateur Lambert République Dominicaine. Gétan ouais, Joseph Lambert président. Et jusqu'à présent, Joseph Lambert toujours sur la ligne. Oui, jusqu'à présent. Non, qui bataille, qui bataille. Non bataille. Pas oublier Joseph Lambert est consul. Dabon a dit que son sénateur Lambert donc gagné de très bons rapports avec politiciens dominicains. Plus en mafia tout. Les négociants de sénateur Lambert, qui a fait une président pour l'histoire. Et puis, il y a un campé de sénateur Lambert. Il y a un hélicoptère. Il y a un général qui est le sénateur Lambert. Il y a un hélicoptère pour habiter d'abord Haïti. Prépare-vous. Moi, j'ai quitté coquet nos fils. Il y a un sénateur Lambert qui est dans la province de l'Isle, clotop pour Haïti. Lagué. Attendez, non. Est-ce que vous connaissez PM Claude, campé. Allez, ah. Politique, c'est des marrons. Kounia, est-ce que vous connaissez que mon avion décolle? Mon avion, mon hélicoptère. Pour autorisation. Avant le décoller. Vous demandez autorisation. Avant l'hélicoptère à décoller, il faut que vous demandez autorisation. Et bon jardin. Hélicoptère, c'est mal passé dans l'ambé. Attendez, madame, monsieur. Qui était le général Sagin, monsieur? Attendez, mon dos, grand bagage, monsieur. Grand bagage. Compagnie a demandé autorisation Haïti, parce que autorisation Haïti pour demander. Oui. Si vous d'accord, tel appareil, atterri sur des couloirs. Oui, oui. Mayday. Tel appareil, tel ACCC là, demande autorisation de ACCC là, ou bien, ouais, mayday. La autorisation? L'autorisation. Kounia, l'heure est tout à importe. Ou qu'on est fort moun qui, en fait, président, chef qui là, dans situation pareille, faut qu'il y ait au courant. Ah oui. Qui a fait cap de son, qui m'a venu. Qui m'a venu. Même j'ai dit l'ambassadeur économie en bloqué en République Dominicaine oui. Parce que pas de autorisation ici y a pas d'autorisation et bon jardin. Eh bien madame monsieur Claude Joseph c'est lui qui a pas autorisation pour hélicoptère atterri. Dis y pas sa pièce. J'avais c'est moi le chef. Là Claude Joseph connaissait. C'est Nathan Lambert, hélicoptère vient de porter. Et pas n'importe qui moun. Arrangez. Animal politique. Un gars, tu sais, moun, t'as votre vie de manger. Pour venir pouvoir en Haïti. Et soit qui va, et bien si qui va prendre. Pour venir pouvoir en Haïti. Et qu'on a saisi même encore comme premier ministre ou mes fils du président provisoire. Qui pour pas autorisation. Pour chef qui va le passer là, débarquer Haïti. Je dis, ça va ça. Jamais. Il va pas autorisation. Ou t'as balancé ou même. Qui ça? Qui ça? Ou est-ce qu'on a balancé? Qui ça président Lambert fait? Attendez non, qu'on a ça qui passe. Si la Lambert qu'on y a, prends un barfil. Oh, rapide, rapide, monsieur. Oh. Oui, rapide. En barfil. Ah, mais ça, le quoi. Comme non, barfil, monsieur. La gueule, barfil. Il a gueule monté, bonsoir ici. On s'habite, beau. Et puis il fait la rapide là. Non, ça, ça sonne mal. Vous comment voyez? Ça sonne mal là? Ça sonne non, mal. Les promis ou bien les lagues en bas? Non, attends. C'est arrivé ici de la soirée. Pas que côté fermé, côté basé. Côté fermé, vrai. C'est un contact qui fait contact. Non, mais, alors, côté d'accident signé. Non. Ouais. Et lors absorption en République Dominicaine, même le frontière fermée, et
au cas passé au cas passé selon type d'autorité. Non, oui, par exemple moi-même passé sur machine. Passé sur machine. Bah rapide là. Oui, il arrive là coco là à 7h du soir. Il est tout égo rapide. Oui. Fatigué. Ah oui, les gars, c'est pas les gars et en pile et comme en pile contact. Et sous frontière. Qu'est-ce qui s'est passé, madame, monsieur? Comprenez-moi, madame. Alors, dis en bas, fila. On va mélanger, sénateur. Non, président. Alors, c'est pas. C'est pas question de parler. Oui. Par exemple, c'est en bas, fila, il passe. Non. Elle dit, il passe. Non, là, on dit, allô. Eh bien, on fait pour nous regarder deux sénateurs là, c'est pas que tu dis. Ça va, c'est monsieur là. Attention, il y a pas. Delta, t'es là, va. Oui, dis ça. Eh oui, attention. Qu'est-ce qui s'est passé, madame, monsieur? Sénateur Lambert de Bac en Haïti. Et puis, même côté, il y a activé le Sénat. Lui il est tout sur internet, il dit monsieur Chita, lui il est fusion et madame Doudou, lui il est lui il est ouais. Il dit monsieur nous allons pouvoir rapide. Et puis négocie Chita là font résolution, lui vient 174 partis politiques. Actuellement là yo rapide le presto. Rapido. Actuellement là yo à 192. 192. Yeah. OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Kounya, le sénat dans le Bervini, malgré où elle a fait tout ça. Et puis le Claude Joseph a pas avancé. Toujours ça fait rencontrer quoi groupe, après rencontrer ambassadeur ceci, ambassadeur là, et puis président de Colombie, comme si grand bagaille. C'est l'autorité. Oh. Équipe Lambert, attendez, équipe Lambert, on dit, il a déposé. Comment ça fait là? C'est qu'il a passé monsieur là. C'est qu'il a passé monsieur là. Là, ça c'est l'entraîneur Lambert, va connaître nous. Et puis, équipe Lambert, équipe qui s'endomène là. Ok. N'est-ce qu'on court, petit Claude? Aïe! Colombie! Choisis là! Anti-cap de son! Anti-cap de son! Son goût information, bah! Quel est mon frère? Quand il y a équipe ce domaine là, red! Et puis quand il y a Atik comme ça, descend! Atik! Yo dis si Claude, yo accusé Claude! Anti-cap de son! Atik! Jusqu'à ce que Bleu vienne en tirant en doute! Oui! Tu n'as posé question, ça a passé là! Ah ouais! Le petit rappel de venir aller à battre ça! Même ça, Mithi Claude, t'es même partenaire! Même partenaire Claude Joseph! Comme ça, pour garder les gens? Bon gars, il m'a demandé de poser une question, t'es non, et ça capte bien. Nous même gars, il m'a demandé de poser une question, t'es non, et chef là. Bon père, son là. C'est ça là. Donc c'est équipe Lambert là qui mange, monsieur. Comme il dit, jusqu'à présent, la peau claire pour le sénateur Lambert. Il a vu une clé devant. Ok? Mais, c'est dans le cas de consensus seulement que nous capable de président provisoire. Alors, ma bamba encore en cloche à Sardou. Et ça avec Jean-François, et ou raison quelque part, même ça me dit, oui. Et que si nous pas appliquer premier parti, premier paragraphe, article 149 de la Constitution. Non, là. Alors si nous pas appliquer dernier paragraphe, troisième paragraphe, donc article 59 de la Constitution, nous pas appliquer premier paragraphe tout, oui, donc, en oui, fait, oui. L'article n'est pas applicable, je dis, à sous table là, mais sous base au consensus seulement, nous capables de gagner un président provisoire. Et ça fait nous t'as posé toute question sur Ottawa. Est-ce que docteur Ariel Henry oui. pas capable de faire accorder violon, mettez tout violon sous même ton. Et puis qu'on y a